Lui, c'est Félicien Kofi Yato, natif d'Aplakwe. Une figure emblématique, résolument engagée pour l'épanouissement de ses frères, et ce, après plusieurs passages pour ses nombreuses actions au profit de cette communauté, le généreux donateur a choisi de donner un cachet spécial à cette fête de 1er mai. Des machines à coudre sont gracieusement offertes aux apprentis en fin de formation. Après cette étape de Kisame, ce sont les artisans de l'arrondissement de Dekpo qui sont à l'honneur. Ici, c'est le comble. Félicien Kofi Yato justifie pourquoi cette générosité. C'est parce que Dieu est amour. Il m'a confié une mission. Cette mission fait partie aussi du partage. Il faut partager qu'on est en joie. Donc c'est une manière de manifester ma joie. La prochaine étape, c'est quoi? Je le serai redit. C'est Dieu celle qui est le Tout-Puissant. Aujourd'hui, 1er mai, quel est votre message à l'endroit du monde des travailleurs? Une belle fête, une joyeuse fête à tous les travailleurs du Bénin. La joie était déjà à son seuil. Responsable politique et de différentes associations, reçu à notre micro, apprécie à sa juste valeur l'initiative et souhaite sa pérennisation. Et George, non, pas fouillé, mais il y a un peu de Donc, L'ambiance est conviviale et confraternelle. Et ceci à la grande satisfaction de tous.